c'est nord-américain. Et puis, effectivement, il a peut-être été un petit peu échaudé aussi par le travail qu'il a fait avec Kurt Browning, parce que ça n'a pas pu perdurer. Tatiana Tarasova avait travaillé avec lui du temps où Laurent était avec eux aussi. Souvenez-vous de cette association avec Yagoudine, ça avait marché très fortement, puisqu'il a quand même été pour la première fois champion d'Europe et vice-champion du monde à cette époque-là. Entre automne 2003 et janvier 2005. Et puis, c'était pas facile, parce que c'était l'époque où il fallait vraiment aller chercher les performances. Il y avait, souvenez-vous, Stéphane Lambiel, on le disait tout à l'heure, Evgeny Pouchenko, ça se battait à coups de 2 ou 3 quadruples dans les programmes. Donc, il fallait aller chercher cette performance, ce qu'il avait fait. Voilà, on y reviendra, Brian. On va voir ces jeunes filles et garçons, là, des Français volants sur Tom Jones et Sex Bomb. Mais bien sûr, l'actualité, c'est Brian Joubert. On y reviendra avec Nathalie Depouillat après. Les filles et garçons des Français volants. Et les filles de l'équipe de France. Avec les danseuses. Voilà, la première musique, c'était France. Lollipop. Et Sex Bomb à venir. On les passe garçons, aux choses sérieuses. Les garçons rentrent en piste. C'est Gangs of Bercy. Mesdames les filles, vous avez vu que je suis là, je crois que les garçons ont décidé de répondre. Et puis, quand même, hein, messieurs, encouragez-les, parce que on va pas se laisser faire. Les garçons et toute l'équipe de France sur la glace, c'est parti, maestro. Yeah.
Voilà, Sex Bomb, Tom Jones, Brian Joubert qui a peut-être, qui était déçu, vous avez entendu l'interview de Corinne tout à l'heure, mais depuis 25 ans, il y a cette statistique qui lui est favorable. Un homme a réussi à devenir champion olympique dans la foulée d'un titre mondial. Le dernier, ce fut Scott Hamilton, champion du monde 83 et l'or à Sarajevo, peut-être de bon augure. C'est 25 années pour Brian Joubert et son nouveau team. Non, écoutez, on se souvient qu'Alexei Yagoudin, l'année où il a été champion d'Europe, champion olympique, champion du monde, l'année d'avant, il avait tout remis en question et il s'est enfermé pendant 10 mois dans un endroit bien précis. À l'époque, c'était avec Tatiana Tarasova. Il s'est déjà enfermé, avec son team. Donc là, Brian, effectivement, il faut qu'il se replie sur lui-même avec tout son staff pour pouvoir se consacrer les 10 mois qu'il reste, et ça va aller très vite, c'est 300 jours d'entraînement consacré à ce titre-là. On rentre dans les ordres, en fait. La fameuse Tatiana Tarasova, dont on vous parle, c'est une chorégraphe russe, c'est 42 titres mondiaux, dont 7 titres olympiques. Oui, c'est vrai qu'elle a toujours eu, enfin, je me suis un petit peu entraînée avec elle, donc je la connais, elle insuffle, c'est vrai, cette énergie qui vous procure le fait que vous ne doutez pas et vous êtes prêt pour essayer d'aller faire quelque chose. Je pense que Brian, maintenant, c'est aujourd'hui faire ses choix, et ces choix qui lui permettront d'aller au maximum. Une médaille olympique, ce serait génial pour la France. Ah, c'est l'or qu'il faut viser. Oui, absolument, mais quand je parle d'une médaille olympique, je parle de la plus belle. La plus belle, bien évidemment, c'est celle dont tout le monde rêve, dont tous les sportifs rêvent. Mais pour ça, il faut effectivement y consacrer du temps, de l'énergie, et je pense qu'ils sont bien partis pour pouvoir le réaliser. Les certitudes, c'est qu'il reprend son programme court de Los Angeles. Il est pas beau. Non, quelle sex-bombe. Et donc il faut une nouvelle musique puisque Matrix c'est fini. Et ben Matrix c'est fini, oui, il va falloir qu'il trouve une musique qui lui redonne un petit peu de punch et cette confiance sur ce programme long pour qu'il